Sous bon paillot, agent exécutif intérimaire font verret là, Jean-Emmanuel Jusmé, ak responsable conseil communal Gantia, Claude Orisma, déclaré ministère intérieur commencé mettre moyens disponibles pour yo faire face à déportation yo. Gen sant ki disponible nan Gantier ki ka kembe jiska 1000 moun alors que sant fon verret la ka pran jiska 200 moun selon responsable yo. Déclaration Jean-Emmanuel Jusmé ka pote précision sur la mort jeune haïtien 18 l'année qui mouri vendredi passé a ak Claude Orisma toujours nan micro Renal Guerrier ak Mackenson Paul. Le ministère intérieur li commence mette en pile disposition pour nous nan fon verret pour que nous même nous capable recevoir moun yo. Actuellement nous gon refuge qui après 200 moun que va 200 cabane ba nou y a voye mat la ba nou tout y a voye manger ba nou tout de l'eau pour nous capable prendre soin moun nou. Mais actuellement nous gen 48 moun là qui n'en garde terre froide parce que nous même sous fond verrette nous gen 10 points importants que moun yo capable traverser. Mais moun sa yo que nous recevoir c'est moun que dominicain yo poussé yo al forcé yo quitter la caillou comme yo même yo près frontière. C'est sur Doubehe, c'est sur dans Zaboka, dans Limong, moun sa ou tout prêt à yo traverser yo monter. Parmi lesquels pendant yo pousser deux yo monter, nous gagnons un haïtien qui est Jean-William Pierre, un jeune garçon de 18 ans qui mourit pendant la montée maintenant parce qu'elle était grand goût. Ça passait qui là? Ça passait vendredi dernier. L'État central a mis tout moyen à la disposition et que yo commencé à mettre tout ça que m'a bien besoin pour que moi réponde à. Vous avez combien de monde qui a accueilli? Bon, on est capable d'accueillir environ 1000 monde comme ça. Et combien de monde déjà gagne sous responsabilité nous là? Et moi gagne. Pardon? Combien de monde déjà gagne? On dit monde dominicain déjà déporté et que n'a pas. Et moi gagne environ 65 et qui n'a font bailleur. OK? Et nous avons l'autre côté encore que nous avons pour nous mettre, mais au fur et à mesure que nous avons gagné, et puis nous sommes capables de mettre au côté pour nous mettre. Alors, nous avons localisé dans un camp d'hébergement ou tout au moins si nous avons gagné pour rentrer à la caillou. Non, il y a gagné pour rentrer à la caillou. Il y a moyen que nous avons gagné dans la maison et que pour que tout le monde rejoigne une famille. Ça a besoin actuellement là, par rapport à la situation ça, qui est éclatée dans la figure là. Besoin administration communale là. Oh bon besoin qui ça que c'est de l'eau c'est kit alimentaire hygiénique laine couverture tout ça transport. Matelas transport tout ça. Vous êtes capable de dire ça sous contrôle vous êtes capable ça contrôler parmi vous. Oui tout à fait. Nous-mêmes, depuis la semaine dernière, nous commençons à préparer tout centre de santé qui est dans le cul-de-sac frontière, c'est-à-dire Fonds Parisien, Gantier, Croix-des-Bouquets, etc. Nous augmenter le personnel et puis nous structurer en entrant en matériel. Mais nous recevons une mission jésuite qui recevoir 15 familles, c'est dans Fonds Parisien, Fonds Bayard. Donc, mission en prend en charge, mais nous-mêmes, nous pouvons visiter. OK, nous représentons le ministre de la Santé publique là, nous et là nous c'est DSO, direction départementale sanitaire de l'Ouest, cul de sac frontière avec des techniciens de laboratoire, des infirmières, des médecins et puis le CAN est présent, Centre ambulancier national quoi où j'ai là. Donc il nous motive, n'a fait des rencontres pour nous ça bien recevoir mon yo. Et nous pral mettre une cellule d'urgence dans frontière là pour nous faire tri. Ça veut dire si nous rencontrer des cas que des monde malades, n'a va cheminer directement dans centre approprié. Et si nous recevons des cas qui dépassent le cul de sac frontière, parce que le cul de sac frontière n'a pas d'hôpital départemental, donc là, on va cheminer vers des hôpitaux départementaux. Par exemple, l'hôpital général, l'hôpital La Paix, et nous quand même voyons au Fatma, dans Bernard Meuse, parce que nous sommes en accord avec toute institution. Ça. Je vous remercie. Bon, pour le présent, quand même, j'ai l'impression que les gens qui allaient volontairement, ils sont là, ils ne peuvent pas recevoir. Il est vrai qu'il y a un migrant qui mourit. Ici, non, Malpasse. Eh bien, moi, je suis à Malpasse. OK? Je n'ai pas encore reçu.